pero se perdió el interés. No es lo mismo sin mí, eso tú lo sabes. Y en la cama no llevábamos re bien, pero pa' amarnos siempre fumero. Hey tout le monde, donc on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Adopt Me et aujourd'hui nous allons découvrir forcément comme d'habitude leur nouvelle mise à jour. Donc cette semaine c'est une mise à jour un peu particulière, nous parlons d'une mise à jour tout le monde au bunker, post-apocalyptique furniture pack, c'est-à-dire qu'il y aura des fournitures apocalyptiques, new house bunker, nos premiers véhicules toxic bar. Donc c'est parti, allons découvrir ça, je me mets en parent parce que c'est un peu mieux pour découvrir les updates. Hop, je récupère ma récompense, voilà. Alors je suis trop content, j'ai réussi avoir les trois ours entre guillemets les amis, donc des la mise à jour en chinois, donc j'ai réussi et vous voyez que j'ai quand même bien remonté déjà mon niveau de bug pour le peu de temps que j'ai joué entre guillemets. Bref, du coup c'est parti, on va aller voir ça. Avant d'aller voir le véhicule, on va, parce que je sais qu'il coûte des robux et peut-être que je vais l'acheter, même si j'ai absolument pas réellement obtenu énormément de robux, mais voilà, je veux juste voir le prix de la maison. Est-ce que elle a déjà été achetée? Si oui, je vais pas l'acheter en fait les amis, je veux juste voir l'intérieur parce que je sais que la décorerait pas. Ah oui, ça va, ouais, 750. Bon, au pire, si j'en trouve pas une, du coup, on va prendre ça comme véhicule. C'est bien pour rouler, pour analyser ça. Est-ce que quelqu'un a acheté le bunker? Ah, voilà. Ok, bon, du coup, les amis, j'ai décidé de ne pas l'acheter parce que je sais que ça me sert à rien. Sauf si je la trouve vraiment trop belle. Mais avant de l'acheter, j'ai envie de la visiter juste pour voir comment c'est. J'espère juste qu'on va pas me bloquer parce que j'aimerais bien faire une vidéo. Ok, pas mal du tout. Oh, j'aime bien le style et tout. Après, maison en largeur. Alors, ça, par contre, j'avoue que bon, pas trop fan. Je vous montrerai aussi les fournitures juste après. Mais c'est qu'en fait, les amis, si j'achète pas les maisons à chaque fois, c'est qu'en fait, déjà, ça part. Là, celle-là, elle coûte pas trop cher. Mais c'est que après, je les décore pas. Genre là, vous voyez, déjà, j'ai même pas fini ma maison millionnaire. Ok, bon, il n'y a pas grand chose. C'est quoi cette tapisserie? Là, le regardez, c'est trop drôle. Ok, ok, ok. En vrai, ça va. Bon, du coup, les amis, je vais pas l'acheter. Je vais juste regarder les fournitures avec vous. Parce que non, enfin, en fait, là, je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Et puis, je sais que je n'en ai pas besoin. Peut-être que si j'avais plus d'argent comme la semaine dernière, je l'aurais pris. Mais bon, là, c'est un peu de l'argent envolé par la fenêtre. Et bon, ça vaut quand même le prix d'un œuf. Après, les décorations ne coûtent pas trop cher. On a un ventilateur pour 20 bucks. Après, j'aime pas trop le style. Je trouve qu'il faut changer la couleur, quoi. J'aime pas trop la couleur de base. Mais on pourra pas faire un truc à esthétique parce que ça fait un truc un peu cassé. Logique, ça fait bunker, quoi. Ok, ça, c'est un truc, un tuyau droit de bunker. Bon, ça, je suis jamais fan de ce truc-là. Un tuyau fermé, ok. Ensuite, nous avons un tuyau arrondi. Bon, ça, c'est pour faire les tuyaux. Donc, ça va ensemble, en fait. Comme ça, c'est un tuyau un peu comme ça. Enfin, bref, voilà. Ça, c'est celui-ci, c'est, vous voyez, en mode 4. Celui-là, c'est en mode comme ça, un peu arrondi. Voilà, et on a aussi, du coup, celui-ci pour faire, vous savez, la valve, etc. Un luminaire, bon, ça, je suis pas trop fan. Ça aurait bien été pour la mise à jour en chinois, mais elle est partie. Et comme elle n'a duré qu'une semaine, voilà. Des petits trucs pour manger, ça, j'aime bien. Ensuite, on a ça pour, oh, c'est trop mignon, pour 75 bucks. Là, on commence à monter. Déjà, ça, c'est des petits casiers. Non, c'est un réfrigérateur. On dirait trop que c'est un casier. Bon, en vrai, on s'en fout. De toute façon, ça peut faire un casier parce que les réfrigérateurs ne s'ouvrent pas, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc vous pouvez très bien faire des casiers avec ça. Un lit un peu petit, pas trop fan. Le lit qu'on a vu tout à l'heure, j'aime bien le style. Ensuite, ça, je sais pas. Ah oui, c'est un ken. Ah non, c'est un truc pour dormir, ça. Ouais, bon, pas fan. Et pour terminer, on a ça à 205 bucks. Alors, ça, par contre, c'est juste immense pour prendre une douche. Donc, franchement, ça, j'aime bien. C'est vraiment un beau style. Et en plus, si on commence à changer un peu les couleurs, ça rend magnifique. Dommage juste que ça change pas en haut. Mais sinon, c'est juste magnifique. Bref, du coup, voilà pour tout ce qui est à buck, puisque c'est tout ce que nous avons en buck. Je vais juste vouloir voir le véhicule. J'ai vu à quoi il ressemblait. Il coûte 125 Robux, donc franchement, je trouve que c'est pas trop cher, vraiment, et j'ai vraiment envie de me faire plaisir. Du coup, voilà. Alors, attendez, ouais, 125 Robux. Bon, on va l'acheter, les amis. J'en ai trop envie. Ok, c'est parti. Il me restera 2587 Robux après ça, donc ça va. C'est parti, je ne peux plus revenir en arrière. Alors, ok, je l'ai pris. Donc, il est ultra rare. Ok, et donc, c'est un petit truc qui va comme ça. Bon, en vrai, j'aime bien, et comme j'avais envie d'acheter un truc que je garderai dans cette mise à jour, car j'aime bien acheter un petit peu quand même. Voilà ce que ça donne. Du coup, par contre, il est très très lent. Il n'est pas du tout maniable. Hein. Par contre, un peu déçu sur ça. Bon, après, pour 125 Robux, c'est pas trop cher. Ça vaut une semaine, enfin deux semaines du coup, parce qu'on gagne 100 Robux par semaine sur Microsoft Reward. Ça vaut deux semaines du coup de Robux pour en avoir, parce qu'il faut en avoir plus de 125. Et du coup, voilà, sur Microsoft Reward. Donc bon, c'est pas non plus
c'est pas si cher que ça, enfin, je trouve ça pas ça non plus abusif. Voilà, c'est juste que là, je trouve que vraiment, ça valait le coup pour ce que c'était, et puis c'est un style assez original. Et bon, comme j'achète rien à Bucks, voilà. Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!